Vous êtes là? Pardon. Ceux qui sont amis avec moi, là, pardon. Allez me chercher. Le monsieur que vous avez vu là, si vous le connaissez, c'est le neveu d'André Bobam. Femme Obam allez-y me le chercher. Si je savais qu'il avait mis sa main dans mes choses, je n'ai même pas fait le live que j'ai fait là. Je vais m'asseoir pour le laver correctement et bien. Parce que quand vous cherchez les problèmes avec moi là, après demain, c'est pour aller faire comme Georgette Toussaint pour dire que, ah, ta tête est folle, elle s'en prend à moi, moi je ne l'ai rien fait, et il faut qu'elle aille se soigner. elle n'avait qu'à aller s'en prendre aux gens qui l'ont publié, machin, machin. Comment un vieux comme ça, là, peut se mettre dans les réseaux sociaux pour partager, pour relayer des histoires mensongères La dette que j'ai derrière Fumin, c'est laquelle Allez-y me chercher Fimé Obamguema. Il va venir. Et dites-lui de m'appeler. Parce que je n'ai pas envie de m'énerver avec lui, même si je suis déjà énervée. Je n'ai pas bien remarqué quand Ibango a partagé sa publication. Que les avatars, les conflictifs fictifs nous attaquent, il n'y a pas de problème. Un vieux papa comme ça, là, va prendre les conneries, les âneries. Ça sous-entend qu'il a la main derrière ça, il connaît ce qui se passe. Vous voulez nous prendre pour des, pour des idiots Hein tu as fini d'emmerder de faire le traître à l'Union nationale. Tu as fini d'enregistrer tout le monde. Le bon travail que tu avais commencé à faire depuis le RNB. Des fois, quand on vous évite, là, il faut éviter de venir chercher les gens. Je vous ai toujours dit que la personne qui parle mes choses doit se préparer. Qui parle, cotise. Qui cotise, assume. C'est tout. Un vieux papa comme ça, là, tu vas te mettre à relayer les inepties parce que tu veux faire. Tu veux, tu veux, tu veux euh, formater des coups bas à Moukani ou Angou. Toi-même, tu es ami avec les gens qui ont nommé Moukani là-bas. Pourquoi ils ne t'ont pas nommé? Imbécile. Et toi, Julie Kael, tu dégages de mon live. Tu comprends? Tu dégages de mon live. Tu es qui? Je t'ai invité? Tu dis que je commence à saouler les gens. J'ai parlé de toi. Dégage de mon live. Chien. Je parle avec toi. Tu viens te mêler des gens qui te regardent. Qui ne te regardent pas, imbécile au carré, au cube. Reviens comme me faire chien. Imbécile. Tu fais tes lives à la con là-bas. Tu me vois venir me connecter pour parler de ça. Tu es malade. Je parle mes choses. Tu viens parler de quoi? Je sous ton cul. C'est toi qu'on a publié. C'est de toi qu'on parle depuis le matin. N'importe quoi. Chien que vous êtes. Vous allez confirmer. Allez-y me réveiller, filmer. Il va venir me dire, je vais lui parler un peu de ceux qu'il a oublié. Depuis que je suis dans les réseaux sociaux, c'est la première fois que je parle de ce monsieur-là. C'est la première fois. Moi, je suis comme ça, tu ne parles pas de mes choses, je ne parle pas de tes choses. Je sais pourquoi est-ce que je m'en prends à Ali Bongo. Je sais ce que je discute avec Ali. Je suis venu dans les réseaux sociaux là, la première fois que je suis venu sur la toile, c'était pour parler de patience Tabani, je n'ai pas parlé de vos parents. Même les Dabani n'ont pas fait la réunion pour me répondre. Vous êtes les qui Bande de chiens Qui vous connaît J'étais venu parler de vous Je vais vous traiter correctement et bien. Vous allez apprendre à me respecter. Ce que vous ne voulez pas me donner dans la politesse, je vais vous apprendre à me le donner dans, dans, dans la douleur. Ce sera la guerre. La guerre est déclarée. Si elle va me dire ce qu'il fou avec une publication où on m'insulte, on me rabaisse avec Moukani et Wangou. Et en plus de ça, le compte fictif qui a publié la doc, Info hein, Kingele, ça veut dire que l'Union nationale commence à me chercher les problèmes. Comment se fait-il que Marcel Jabio est là-bas en tant qu'administrateur? Toutes ces, ces personnes-là ont vu ça. Je peux encore exempter Sergine, parce que je sais que c'est la seule. Quand, quand elle voit des trucs comme ça, elle efface ça. Hein? Ça veut dire que c'est des trucs qu'ils sont en train de formater parce que Anzigou est maintenant derrière les gars de l'Union Nationale avec Jean-Gaspard Tountumaï. Et ils savent que je suis un bouclier pour Moukani. Donc il faut créer quelque chose pour casser quelque chose, le sucre sur mon dos. Pour abaisser le monsieur. Allez demander à Moukani pourquoi il est parti au gouvernement. Tranquillement, ne créez pas les fausses histoires. Je, je, il paraît que je détiendrai une vidéo. Pourquoi le compte qui a publié m'a bloqué sur Info Kingele? Si, si, si le Congo, ça a été vrai. La personne, le faux compte, devait me laisser pouvoir venir m'exprimer sur la publication. Pourquoi il a pris le soin de me, de me bloquer D'abord, avant de publier ça sur les réseaux sociaux. N'importe quoi. Vous allez confirmer le tout si Ping ne deviendra jamais président. À quoi des gens comme les firmés au quand vous prenez les gens dans vos partis politiques, eh ben j'ai toujours su que Ping ne devait jamais devenir président parce que ce sont les mêmes qui ont menti à moi hier. Des gens comme les Obam Gema, dont il en a fait ses stratégies et ses proches collaborateurs. Allez vous faire foutre. J'étais dans l'opposition quand moi est tombé malade. Vous voulez m'accuser de quoi? Firma a fini de trouver qui a empoisonné André Boba. Réveille-moi, Yves Yonemba. Qui vient ici? C'est son grand frère. Imbécile que vous êtes. Vous me connaissez quel firmé viens nous parler? Qui a empoisonné André? Bande de chiens! André qui t'a donné le travail! André qui a fait de toi ce que tu étais à l'Oprague! Tu as quel diplôme, toi, firmé au Bamgema? On parle de moi que moi je suis sous couvert, sous couvert. Toi, on t'a nommé à l'Oprague. Dis-moi la fonction. Avec quel diplôme tu es parti occuper les fonctions que tu avais au niveau de l'Oprague? De hein? Parce que tu faisais le travail depuis, tu faisais le travail d'espionnage depuis, on t'a remercié. Vous étiez les espions qui ont pourri la vie de, comment il s'appelle, euh, 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 celui-là aussi qui est devenu comme il est, PMBAB Solo. C'est vous tous qui avez sapé le travail de, 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 de PMBAB Solo. Parce que si on vous aurait déjà neutralisé depuis votre, de, votre, euh, votre chute de, de, du RNB, vous ne serez pas venu encore nous emmerder jusqu'aujourd'hui. Je t'ai conseillé de, euh, à l'OPAC auprès du directeur général de l'OPAC. Dis-moi, c'était avec quel diplôme? Toi, au Olo. Tu penses que je ne sais pas que tu es un proche de Mapangou? Hein? Mais ça ne me regarde pas. Tant que tu es un Gabonais, que tu manges l'argent du Gabon. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Je ne discute pas ça avec toi. Ça ne m'intéresse pas. Mais je connais ton petit travail d'indique. Tu avais l'habitude d'aller... Infiltrer les réseaux des, 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 des opposants pour venir rapporter les plans des opposants au niveau de comment on appelle ça au niveau du PDG. Les yeux qui ont vu comment j'étais en train de baiser avec Moukani à l'hôtel que eux-mêmes ils ont payé, ils n'ont pas vu. Ils ne connaissent pas le parcours de fumés Obama, N'Gema. Leurs yeux de la République de Chine populaire là, ils ne voient pas. Ils ignorent que ce monsieur là a une histoire. Qu'il était même quand Amo était encore ministre de l'Intérieur. C'était son travail infiltrer les partis politiques. Qui était contre le régime pour euh, ramener les informations et les plans stratégiques qui se faisaient dans les partis de l'opposition. Hein? Même au sein du CNR, au sein de CN, l'opposition actuelle, les gens du, de, de la coalition ne savent pas que Fimé est là-bas au compte de Seyidoukan. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas qu'il a entretenu par Mapangou. Il faut encore que Tata Huguette sorte encore ses réseaux d'informations pour vous ouvrir les yeux. J'ai regardé toute votre comédie. Depuis même la mort d'André Bobam, je suis resté assis, j'ai regardé. Mais j'ai reçu des instructions fermes de ces mêmes personnes du pouvoir-là qui m'ont dit que même comme tu es bête, hein, tu es maintenant contre nous. Il n'y a pas de problème. Tu dis qu'on ne t'a pas aidé, qu'on fait souffrir les Gabonais. Mais voilà les gens qui sont susceptibles de traverser avec le poison. Hein. Comme tu penses que ce sont des gens comme ça là qui peuvent changer le Gabon. Voilà un infiltré, une balance de la première heure. Hein? La voiture qui conduit aujourd'hui, qui l'a lui a offerte, la Toyota FJ, qui, est, qui l'a lui a offerte, la voiture qui conduit aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau d hein? Ils n'ont rien, Amon a rien laissé. Jusqu'aujourd'hui, l'héritage d'Amon, je ne sais pas ce qu'il a laissé. Je ne veux pas offenser la mémoire d'André Boba, mais qu'on se dise la vérité. Il était pressé à de jouer les. Les neveux, les neveux, les neveux, parce qu'ils pensaient que son oncle avait laissé euh, un trésor de guerre. En entendant son oncle est mort ruiné. Sans compter l'argent que Ali a gelé les comptes. L'argent d'Amo a été pris en, 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 en demeure, a été mis en demeure par Ali Bongo. C'est de l'argent qui est suspendu depuis des années. Amo et moi presque ruiné, il ne lui restait que l'argent qu'il avait planqué à l'étranger. Mais tout son argent qui était sur le territoire national, ça a été saisi par Ali. Il est, depuis, il, il est parti discuter là-bas. De ça Aujourd'hui, Moukani, avec ils étaient là-bas au Gabon, Moukani a décidé de partir. Ils veulent me prendre comme souffle-douleur. Qu'est-ce que au Obamgeba me veut Il veut qu'on reparle de l'histoire d'André Il veut vraiment qu'on investigue sur la mort de son oncle Si j'avais su depuis qu'il avait touché à cette publication, je ne serais même pas venu faire la vidéo que j'allais faite et fait, que, que j'ai faite là. C'est sur lui, j'allais m'asseoir. Et c'est je le mets en garde. Je le mets en garde qui ne me pousse pas à bout. C'est une mise en garde qui continue à faire le petit indique auprès des pouvoirs publics. Et qu'il mange son argent, il ferme sa bouche. Moukani est venu le dépasser là où lui-même il n'est jamais arrivé. Et c'est ça la vérité. Il, il approchait un mot demandait à affirmer. S'il si approchait si pendant sur le lit de mort d'André, André voulait le voir. Il a été banni, rejeté par son oncle. Et Amos sait pourquoi? Parce que lui-même, je suis celui qui s'est battu pour savoir d'où venait sa mort. Et nous savons, l'histoire de Jésus nous enseigne que c'était Judas qui avait aidé pour 30 pièces d'or, les Romains et les Pharisiens à le, à le condamner. Papa Iscariote. Fimé Iscario. Il veut venir parler de moi. N'importe quoi. Qu'il aille chercher, qu'il vienne nous raconter qui a empoisonné Amo, c'est de ça dont il est question. Il a été auprès de Ping, où sont maintenant les résultats Pourquoi les mêmes problèmes Ça bloque au même niveau. Amo a gagné les élections, il n'a pas accédé au pouvoir. Le même schéma est en train de se dessiner. Et je dis bien que c'est vous-même qui allez faire du mal à Ping, ce n'est pas moi. Moi, moi, je dis la vérité. Mais je ne suis pas là la nuit à chercher à lui faire du mal, à savoir comment est-ce qu'il aura mal dans sa chair. Vous êtes des démons. Vous voulez me tuer parce que je dis la vérité. Là, vous êtes en train de chercher maintenant quelqu'un qui viendra me mettre le poison ici aux États-Unis. On vous connaît. Vous avez commencé à passer par la fille qui, est, qui, qui habite à New York. Cherchez à l'approcher, maintenant faire l'amitié avec elle. Jusqu'à vous avez commencé à montrer vos visages. Parler de moi. Me peindre en noir chez la fille. La fille a dit que me dis donc. Vous êtes plein de personnes ici, là, vous m'avez ajouté. Je pense que vous suivez mon action que je fais dans les réseaux sociaux. Donc c'était pour venir me parler de Dana. Elle a eu peur de vous. Elle m'a appelé, elle m'a dit que Dana, c'est très grave. Les gens sont derrière toi. Je ne savais pas que pour, parce que tu partages mes vidéos, les gens là sont en train de, de, de se concentrer, de remarquer. Jusqu'à ils sont passés par moi en douce maintenant, pour vouloir venir maintenant te peindre en noir et tout. Je ne sais pas quel est leur objectif, mais je pense qu'ils cherchent quelqu'un en qui tu as confiance pour faire quelque chose. C'est ça. Parce qu'ils savent qu'un ennemi, tu vas t'en méfier. Mais quelqu'un à qui tu fais confiance, qui rit avec toi, tu ne vas pas te méfier. Vous cherchez quelqu'un pour transporter le poison. Obama, c'est comment C'est de ma qu'il faut maintenant Manger ou bien la chair de Moukani, Bande d'empoisonneurs de, 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 de que vous êtes. Mukani était avec vous là-bas dans le poisson. Il a été empoisonné, non Qui avait empoisonné Mukani Bizarrement, voilà un mot qui a été empoisonné. Tu ne viens pas parler de ça Vous allez faire en sorte que les familles auront mal. Parce que si vous vous en prenez à moi, ne pensez pas que je suis sorti du tronc d'arbre. Hein. Je vous dis que c'est une histoire qui va virer au drame. Si vous ne descendez pas sur ma chair, ça va virer au drame. Et j'ai toujours dit ça, j'ai toujours remis en cause les leaders de l'opposition. J'ai dit que c'est eux qui profitent de ces, de ces situations de calomnie-là. Hein. C'est dans leur QG, c'est dans leur maison que se font tous ces plans. Même les plans pour assassiner et empoisonner les gens, c'est chez vous. Le PDG vous finance, c'est vous qui 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 réalisez. C'est ça la vérité. À moi étant empoisonné là-bas, dans vos mains, c'est sous les pieds. Pourquoi vous n'avez pas fait la tradition Tapez les choses en voix. Parce que vous savez que si vous tapez ça, ça va vous prendre vous-même en premier, vous allez le suivre. N'importe quoi. Il vous a fui. Il est parti se cacher au Cameroun, mourir comme un Camerounais, un orphelin. Il est mort chez Billa, Foutez la paix aux gens il est mort, chez bien, vous ne vous faisiez plus confiance. Il vous avez fermé sa porte. C'est un signe. Vous avez trahi André. Vous avez vidé son argent. Et là, comme ça. André voulait te voir. Hein? Avant de mourir. Tu pouvais accéder. Tu es venu hypocritement. On ne pouvait pas te chasser. C'est les obsèques. N'importe quoi. Vous avez induit ce monsieur-là en erreur. Comme l'argent de Ping n'est pas encore fini, c'est pourquoi Ping n'a pas... Il... Tellement il a volé. Et il continue de recevoir l'argent volé. Hier, yeah, Mediapart a parlé de ça, non? Là, aujourd'hui, maintenant, Mediapart n'est un plus une source fiable. Elle parle d'un argent. Elle parle des ennemis, fra... d'une guerre fratricide, mais des individus qui sont couverts du même mort. Là, c'est aussi Tataïga qui a écrit ça. Mediapart qui a mis à mal les, 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 les financements machiavéliques entre Kadhafi et Sarkozy. Vous pensez que Mediapart a le temps? qui? Ou Ali -e qui? Je vais bloquer celui-là tout de suite là. Allez, va te faire foutre. Non seulement, c'est vous qui cherchez les problèmes. Et après, vous n'assumez pas. Demain, c'est pour dire que tata mis ma vie euh, là-bas dans les réseaux sociaux. Machin, machin. Tu ne vas pas assumer que tu as partagé quelque chose. Regarde-moi un vieux comme ça là. La vie pérance, repéro des circonstances. Chinda, comme disent les Camer, Repéro, comme disent les Ivoiriens. Hein? Attrapez les sacs. La République des a attraper les sacs dans les QG, mentir le mensonge plein rempli dans les bouches, dans les oreilles des, 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 des hommes qui ont l'argent. Tu ne vas pas chercher comment est-ce que Ping va prendre le pouvoir, non. J'ai vu clair, depuis quand j'ai vu que Ping s'était entouré de vous, j'ai su que Ping était déjà, avait fait un faux départ. Et je connais là où vous avez eu Ping, je connais, c'est le jour que vous êtes allé faire... La ça la première réunion de l'opposition en 2014 en France. Ping a déclaré au cours de cette, région, euh, cette réunion en aparté qu'il était prêt à mettre un milliard. C'est le, le jour là que Ping a signé son arrêt de mort. Ou du moins son arrêt de vie. C'est ce jour-là. Sa bouche avait trop parlé. Les yeux sont sortis des orbites. Ce que vous avez décrit là, dans la soi-disant vidéo, mensongère de Moukani et moi là. C'est comme ça, vos, 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 vous avez commencé, vos canines sont sorties, vous baviez. Vous n'entendez pas. Vous avez cherché les stratégies. Vous m'avez vu un jour faire la tchinda auprès des ping. Hein? Je vous demande quoi? Chantal est là. Appelez Chantal ou Paul Marie. Demandez-leur si je leur ai déjà demandé un penny, malgré ma souffrance. Tu as fini d'escroquer mes Quand vous avez su que Zachary vous connaissait, vous avez voulu foutre la merde dans le parti. Hein? Moi, je t'ai toi, avec Landry Amiang. Je te Hein Avec quelqu'un que je ne citerai pas le nom. Comment vous étiez en train de mettre la stratégie pour déstabiliser l'Union Nationale Et j'accuse mon frère Félix de m'avoir calmé, de ne pas avoir publié tout ça. Il fallait qu'on vous mette à découvert au, au temps opportun. Quand on avait intercepté ces emails-là, il fallait qu'on vous publie. Oh non, c'est pas bon. Oh, ça va affaiblir la lutte. Voilà, aujourd'hui, les mêmes individus recommencent une petite fille née en 86. Vous n'avez pas honte? Je te mêle, toi. Comment tu mettais la stratégie pour déstabiliser l'Union nationale? Tu blagues avec moi, je publie. soigne J'ai votre macabo depuis très longtemps. Tu cotises quoi? Dis-moi, tu veux parler de quoi? Hein? Destabilisateur. C'est ton argent que Miboto avait financé pour, pour mettre le parti là. Hein? Tout ce qui se passe aujourd'hui, on sait que c'est une guerre d'intérêts. De la même manière dont Amo ah, a mis l'argent, de la même manière Miboto a mis l'argent, vous commencez même la guerre ethnocentriste, la, 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 la guerre communautariste, dans, dans, dans le parti. C'est à cause de ça que vous êtes parti avec Yegendon. Mangez votre argent, foutez la paix aux gens. Vous me voyez que je rentre dans les problèmes, en zafe et les gens de l'Union Nationale. Je n'étais pas, je n'ai jamais milité à l'un. Mais tu m'emmerdes, je te balance. Tu es un fouteur de merde. C'est comme ça que vous aviez monté certains activistes pour insulter, agonir, jour les Miboto. C'est de sa faute. Tout ce qui s'est passé, c'est Casimir qui a amené, eh, c'est Zacharie qui a amené le serpent au milieu des gens. Demain, même, vous a repris, non, pour aller donner le sac à ping. On nous avait appelé Moukani était. Hein? Bientôt, je vous dis que vous les informateurs, là, je vais bientôt vous enregistrer. Je vais bientôt, vous tous aussi, vous balancer. Parce que vous êtes en train de faire du mal au peuple gabonais. Ce monsieur est connu des faits. C'est un récidiviste. Mbabé Solo a fermé sa bouche avec le long ventre qui tombe sur les cuisses, comme lui aussi les partis manger l'argent de la politique. Mais Mbabé, soit dit, il doit aussi dire, il ne doit pas mourir la bouche fermée. Et c'est le même truc que Moukani va faire. Oh non, j'ai vu tout à l'heure Jean-Douanis, non, on ne doit pas répondre vraiment, on doit se concentrer sur l'agenda du ministre. Personne ne se concentre. Je vais te répondre Jean-Douanis. Ces gens-là, c'est des racailles. Et c'est des vipères. Nous sommes dans la guerre d'intérêt. Ici, c'est la politique. On n'a que pour intérêt d'abord. Euh, on n'a que pour pr pr premier, premier, euh, premier principe, l'intérêt. Ils se concentrent sur vous. Si vous avez les trucs sur eux, vous balancez les conneries du front et tout. Balancez tout ce qu'ils étaient en train de formater pour imposer la candidature de Ping. C'est le même reproche que j'ai fait à Komila. Maintenant, ils veulent se regrouper, se concentrer sur moi. C'est quoi Vous êtes en train de mentionner mon nom dans la franc-maçonnerie. Vous ne me trouvez pas C'est ça le problème Hein si je meurs aujourd'hui, je prends l'opinion publique, je prends la communauté nationale et internationale, je mourrai à cause des soutiens de Ping. Vous voulez me tuer? Même Ali est derrière, je dis ça. Ma mort viendra de vous. Vous voulez m'assassiner parce que j'ai eu la, j'ai eu l'opportunité, le privilège de voir ce que la communauté internationale avait dit. Ma vie en danger. Des vieilles rapaces comme ça, comme fumé au Bamgema, tu vas, toi, relayer les conneries d'un avatar. C'est que tu connais ça. C'est votre travail. Vous avez passé votre vie à faire ça. À l'époque, c'est vous qui, qui étiez derrière la griffe. En train de mentir comme Bongo voulait régler les problèmes à des Gabonais qui voyaient comment ils volaient l'argent du Gabon, c'est vous qui étiez en train de mettre les, strat les stratégies dans la tête de Ba André Boba, mes consorts, de dire au président qu'accuse-le qu'il a détourné l'argent d'une banque. On te filme, on te met dans l'union, on te filme à la RTG, le pauvre monsieur va en prison. En attendant, le monsieur a vu clair, il vous a fait des reproches que vous êtes en train de, 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 de conduire le pays à la chute. été chassé à Meudoune, toi hein on t'a pas chassé pendant les obsèques d'amour quel est le geste que tu avais fait là-bas à Medouneux tu as été chassé toi Fime Obama tu as été chassé à Meudoune. qu'est ce que tu fais quand les gens te chassent tu te vois là tu prends la voiture comme un fou tu conduis la voiture qu'a si t'a donné tu vas faire des trucs tu prends tes marabouts tu vas à la maison d'André Baobam hein qui est vers le lycée d'État avec les marabouts, les incantations et tout, tout ça. Tu es un dangereux, toi. Tu ne savais pas que, que, que Tony était déjà là-bas. Tu ne savais pas que Tony était déjà dans la maison avant que tu n'arrives là-bas. Tu es dangereux. Faux jeton. Sorcier. C'est lui qui t'avait balancé, non? Je ne suis pas là pour exposer mes enfants. Je te parle. Ne me cherche pas. Ne me cherche pas. Moi, j'ai toujours protégé les orphelins des hameaux. Ce sont des orphelins. Je les ai protégés et je les ai défendus avec la plus ferme énergie. Tu as livré tes propres euh, euh, cousins en pâture. Quand ils ont été attaqués sur un fucking surtout Tony, parce que c'est lui qui fait la politique. Hein Tu passais par derrière. C'est toi qui passais par derrière. Tu n'avais pas le courage. D'attaquer ton cousin. C'est toi qui as livré ton cousin chez les pro-ping. Tu voulais soumettre ton cousin, le corrompre, pour qu'il donne le sac à Ping. Il a refusé, il a dit que jamais. Je ne peux pas faire ça. Mon père, si son lit de mort ne m'a jamais demandé de faire allégeance à Ping. Papa était là, Ping a voulu le voir, il avait refusé. Ping avait refusé l'entrevue. Et c'est toi, au prix d'argent, tu es allé mentir à Ping que tu es capable de le faire rencontrer à mot. Tu as mangé l'argent de Ping, dégage! Tu dégages. Je te dis que ce que je suis encore en train de dire là, hein, ce n'est que le début. Je te dis, fais attention, be careful. You have to be careful. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tes problèmes vont commencer. Mentionne encore mon nom. Mentionne encore mon nom. Tes, tes, tes affaires seront dehors. Regardez-moi ça, des dangereux comme ça là. Hein? Les déstabiliseurs de la République. Tu es persona no grata. Tu es persona no grata. Chez les, che, che les enfants biologiques et la veuve de Amo, tu es persona no grata. Faux jetons. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, toute la, la cabale dont est victime ton cousin Franck c'est toi qui es derrière ça, jaloux. Va te présenter à mes en voix. Je suis sûr que même les, les, les postes que je vois là aujourd'hui, qui sous-entendent que oui, Franck Gemage euh, euh, flotte avec le pouvoir, c'est toi qui es derrière ça. Tu es un jaloux, tu es un garçon très jaloux. Escroc. Excusez-moi. Quand Ali a, a, a corrompu la famille, vous avez vu la vidéo, non Quand euh, l'archevêque la, est parti s'asseoir avec les membres de la famille et tout, tout ça. Tout à coup... Il euh, y a eu euh, la, la réaction des, des Gabonais qui étaient fâchés. Tout d'un coup, on voit maintenant Paul Biogemba qui a le courage d'arriver au domicile d'André ba, ba, Baobam à ses obsèques pour soi-disant venir s'incliner. Quel est le point de contact qu'ils avaient Dis-moi, quel est le point de contact qui avait qu conf qu confirmé à Biogemba qu'il pouvait venir s'indigner devant la, euh, le, 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 le cercueil des hameaux C'était leur point de contact C'est toi c'est toi qui as concocté ce, ces conneries-là. C'est parce que tu cherches des Moukani. Tu ne peux pas parler à, à, à Jean de Dieu, à visage découvert. Tu as besoin de monter tout ce tapage-là. Hein? Ça vous dérange. Vous ne faites que négocier. C'est plus la ferme. Comme vous avez vu que vous êtes passé par un proche à moi qui est venu me parler, j'ai été ferme. J'ai dit que je soutiens le président Moukani. Je suis ferme là-dessus. De la même manière dont j'ai soutenu euh, 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 Don Sima. Je soutiens le président Moukani. Je le soutiens. Et j'ai mes raisons. Vous avez vu que celle-là, il ne lâche pas prise. Méfie-toi, hein? Je te dis que méfie-toi. C'est la première et la dernière fois que tu oses partager quelque chose qui me concerne. Tu te lèves, tu vas faire des remontrances. La dernière fois, je t'ai parlé, tu n'as même pas le courage de me répondre. J'ai parti sur le mur à harceler, agacé à le pasteur Serge Alogo. Qui a pris position aujourd'hui, qui ne favorise pas Ping. Et il est libre de ses choix. Tu as apparu là-bas tel je ne sais pas quoi. Un singe sur un arbre. Je t'ai posé la question que tu reproches quoi à Logo. Dis-moi, fille, mais toi, tu peux dire quoi au pasteur Alogo dis-moi. Quand on parle des gens... Qui ont profité du système. Tu fais partie des gens qui ont profité du système. C'est vous qui avez pérennisé et maintenu ce système-là. Vous, vous défendez ce système-là avec euh, la plus ferme énergie. Hein? Quand aujourd'hui on se nomme, euh, comment il s'appelle? Le fourbe aussi de, du deuxième arrondissement, là, Nzafeu. Vous dites que ça signifie quoi? Pour ceux qui ne sont pas fans. Enfants, ça veut dire que qui d'autre? On l'a on, on surnommé Nzafeu, parce qu'il avait dit que Nzafeu. En ce qui concerne les bongo, okay, qui d'autre qui peut venir commander à part les, après les bongo ou à part les bongo. C'est pourquoi on a surnommé Jean-Yere Nonzafeu. Repartez faire vos guerres des intérêts avec l'Union Nationale. Voilà ton, ton devoir là-bas. De deux, tu dois venir nous expliquer ce que tu étais parti faire le groupe des marabouts dans la maison de ton oncle. Tu as laissé la dépouille à Medounou. On t'a chassé là-bas. Tu es revenu. Avec, euh, tu es revenu avec le groupe. Pour vouloir aller, je ne sais pas, profaner la maison de ton oncle euh, là-bas, la résidence de Barcelone. Parce qu'on appelle la résidence à Barcelone, vers le lycée d'État. Tu t'allais foutre quoi à Barcelone là-bas Dis-moi. Hein Tu ne me connais pas, hein Peut-être que comme tu as entendu parler de moi là. Maintenant, toi-même, tu as fait l'expérience. Évite-moi. Tout ce qui me concerne, une publication où je suis mentionné, que ce soit en amont. Comme en aval, tu évites à partir d'aujourd'hui que j'espère que nos chemins ne se croiseront plus. Parce que vous êtes les premières personnes à vous victimiser. Vous ne voyez pas que vous êtes les premières personnes à cotiser. Même si ça aurait été vrai. Tu trouves que ça, là, c'est cet homme merci qui est là après tout ce que Moukani a fait pour vous Hein Où est la reconnaissance Oh, je vais sortir l'enregistrement où tu as, uh, tu as averti uh, Guy Bertrand Mapangou qu'il y avait des armes dans le QG de Ping. Tu me connais mal. Je vais te prouver que je suis une fille du clan. Tu as affaire à une fille du clan. J Maintenant, là, je vais jouer de mes relations. Tu vas voir ça. Je vais vous déstabiliser. C'est pas là où vous dites que elle est avec Ali Bongo. Ali Bongo l'a appelée le jour que j'ai envie de voir Ali. Je vous dis ça clair. Je n'irai pas la nuit. Je partirai la journée. Foutez la paix. Et je vais publier les photos. Vous êtes qui? Ah, hein dites-moi. Vous méritez les sacrifices des, 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 des gens? Hein? Tu vas voir ça. Bande de parvenus. Vous pensez que moi j'ai besoin de faire l'indique pour voir Ali? Si je veux voir Ali, j'irai le voir. Foutez la paix là-bas. Tata il guettait avec Ali. Mais regardez-moi ça. Vous pensez que moi je vois Ali, je viendrai publier sur mon Facebook. Of course que je vais le faire. Vous êtes les qui Vous ne voyez jamais ce que vous faites aux gens. Vous voyez toujours ce que les gens vous, les les gens vous font. Je vous ai toujours dit que allez-y bien demander aux gens de ma famille. Hein. Mon père et ma mère sont encore en vie. Posez-leur bien la question. Que quand vous partez dire à mes parents que vous avez un problème avec moi, ils vont toujours vous poser la question de savoir que ça a commencé comment. Je suis en situation de défensive. J'ai réglé le problème d'un imbécile gars qui habite à Dakar. Quand j'ai encore su que il faisait partie des gens qui ont cotisé, qui sont venus m'insulter, je me suis bien assise encore sur son problème et qui se prépare aussi cet impoli qui a osé insulter ma mère. Bon de chien que vous êtes. Je vais sortir tes enregistrements. Continue à blaguer avec moi. C'est pas vous avez dit que vous avez l'enregistrement où Ali m'a appelé pour piéger Moukani. C'est à dire que les choses que vous même vous faites. Vous attribuez ça aux gens parce que vous êtes professionnel dans ça. Moi, je ne peux même pas imaginer que il y, y, a, y a des pièges qu'on fait, même malgré le fait que je ne sois pas d'accord avec Ping. Vous m'avez déjà vu un jour venir vous dire ici là que non. Voilà, on, va, on a piégé Ping ou bien. Il y a des filles qui sont sorties pour piéger Ping. Je ne suis pas dans ce discours. Les activistes qui parlent de ça sont connus. Arrêtez. Vous avez euh, 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 tourné la tête des Gabonais pendant que le corps d'amour était là, hein, avec Marcona et Sangui, bande corrompue. Quand les Gabonais étaient fâchés, les petits enfants de Modunon ont dit que jamais, on ne pleure pas moi ici. On va avec le corps d'amour au palais. Ali et Akome, s'ils vont confirmer cette fois-ci, si, s'il si faille que la guerre civile se passe, ce sera maintenant. Quelles sont les personnes qui ont convaincu, qui se sont battues pour convaincre les gens de ne pas amener le corps d'André Hein? À la présidence de la République, c'était vous. Et c'était le seul moment. Même les, les gens qui font la politique, même les, 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 les gens qui, sont, qui ne sont pas des Gabonais, des leaders d'opinion m'ont dit que c'est le jour-là que les, on pouvait arracher le pouvoir d'Ali. On n'avait jamais vu autant de personnes dehors. Les gens étaient fâchés. Hein? Marcona et toi, vous vous êtes donné les moyens, non? On vous a, on, on vous a arraché le corps d'amour, surtout vous. À cause de quoi Parce qu'on sait que vous êtes une famille corrompue. Vous avez amené la corruption là-bas hein Maintenant. Ok. Vous avez amené la corruption C'est normal le, 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 le monsieur est mort à... à, 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 à comment on appelle ça Le monsieur meurt euh, 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 au Cameroun Bien en train d'organiser les obsèques. Comment le corps on voit la famille qui est déjà au palais. On a gâté le nom. C'était vous Ali a eu le courage de convoquer les parents d'André au palais pour faire bonne figure parce qu'il avait l'habitude d'utiliser les parents des hameaux pour nuire à André. C'est ça la vérité. Et c'était vous le maillon faible du côté d'André de de, Bourbam. Le poison est passé entre vos mains. Vous pensez qu'on ne connaît pas Les autres là, qui savent qu'ils ont participé, ils doivent se méfier. Et j'avertis, je mets en garde l'Union nationale. Vous dégagez vos. Mais quittez de mon cul. Vous êtes qui c'est la première et la dernière fois que dans Info Kingele, j'avertis tous les administrateurs d'Info Kingele, c'est la première et la dernière fois, parce que ça appartient à l'Union nationale, que je vois, j'entends qu'il y a un poste qui me dénigre. ça va prendre feu. Je vais vous nuire, hein? N'importe quoi. Vous voulez régler vos problèmes. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes devenus les avocats d'Anzigu Hein? La mère d'Endigou n'est pas dans le dans, ne, ne sert pas le pouvoir, c'est pas l'enfant de Sidonie Oué, ancien procureur de la République Elle, a, elle est enfermée comme d'opposants C'était sous sa, sa, sous sa sous sous son commandement, Quand il et elle, Georgette tout ça se sont fait enfermer, non C'était Sidonie Oué la mère de Mais vous êtes les qui Même les gens qui sont pas dedans, je les mets. Mais, voilà. Foutez la paix. Ma mère est procureur. Était procureur de la République? Quand on a enfermé Annie Léon, accusé derrière l'a, la Comment d'être derrière ça, l'incendie de l'ambassade du Bénin. C'était qui le procureur qui avait pris la décision d'enfermer cette imbécile, cette Gougandie de tout Toussaint là aussi? On est venu la soulever là-bas, la, la, la maîtresse de l'ancien président de la commission de l'Union africaine. Comme une vulgaire vendeuse de sandwichs de petit paris. Je vous dis que ça va prendre feu, hein? Méfiez-vous, hein. Je vous dis que méfiez-vous. Je vois la main des gars de garde de l'Union nationale parce que apparemment, maintenant vous avez mis en confiance les enfants de Moukani. Je ne dis pas que Moukani a raison. Laissez Moukani régler ses problèmes avec Andigo et les autres. Laissez-les. Vous êtes des mauvaises personnes. Moukani avait refusé Ange. Malgré le fait que Sidonie soit procureur de la République, oh, il est l'avocat de tous les petits opposants, il n'est pas l'avocat des petits opposants. Il supplie sa mère en lui disant Maman, il faut libérer Jeff Blampin, libère Balak Obama, Libère-t-elle. tel. C'est le lobbying qu'il fait auprès de sa mère, c'est tout. Il a le carnet d'adresse. Mère, vous êtes les qui C'est la première et la dernière fois. Je vous mets en garde, ça va chauffer. Hein? Ça va chauffer. Prenez le pouvoir tranquillement. Je vous dis que je suis la Olivia Pop de la République. J'ai le macabre de tout un chacun. Si tu veux confirmer, cotise. Il y a des confirmés ici, là. On veut maintenant jouer à quoi, là? Vous voulez jouer à quel genre de justice Vous avez empêché les gens de prendre le pouvoir. Ça ne vous arrangeait pas qu'à l'IPAD parce que vos petites manigances n'allaient plus payer. Vous savez que vous n'avez pas les compétences requises. Les diplômes, vous ne les avez pas comme moi. Vous parlez de quoi Oh, eh, je fais la prostitution eh, pour ceci je fais la prostitution pour cela. Oui la prostitution, ça donne le pouvoir. Et vous-même, vous faites quoi? Vous avez fait combien de partis politiques? En l'espace de 20 ans? Combien de partis politiques vous avez fait? Ça, on appelle ça quoi? Ce n'est pas l'instabilité politique? Ce n'est pas de la prostitution politique. Vous prenez maintenant l'enfant de Sidonie pour mettre les choses dans sa bouche parce que vous savez que, ok, c'est l'enfant d'oué, elle est à la tête d'un trésor de guerre. Vous voulez manger l'argent de l'État, si vous voulez, est-ce qu'aucun goût es -qu est-ce qu'aucun goût tranquillement, foutez la paix aux gens, ne me mélangez plus jamais. Hein. Je vous interdis à partir d'aujourd'hui, ne me mélangez plus jamais dans les conneries. C'est la première et la dernière fois que vous mentionnez mon nom. Euh, 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 comment on appelle ça? Fusionnez à celui de Moukani Wongo. Si Moukani vous laisse, moi je ne vous laisserai pas. On ne peut plus parler d'une prise de pouvoir. On parle des histoires qui se sont passées sous la douche. Vous en avez sauté combien là-bas Celles qui ne sont pas des prostituées. On en parle Si j'aurais su que il avait fait des conneries comme ça là, je devais m'asseoir aujourd'hui sur lui. N'importe quoi. Un grand résistant. C'est lui qui pense qu'il a des leçons de morale à faire aux gens. Dites merci à si, hein. La prochaine fois, de toutes les façons, Zigou lui-même, il sait qu'il ne doit pas me prononcer. Il sait ça. Il me connaît, non? Ange, oh, je me connais très bien. Je pense que quand il est assis dans les QG là-bas avec vous, quand vous mentionnez même mon nom, il dit que oh, 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 oh celle-là, pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avec tout le respect qu'on se doit mutuellement, ne la mentionnez pas ici. Je suis encore en train de regarder faire. Je ne parle pas. Comme avait dit Chantal, avait dit quoi? Ceux qui savent. Ne parle pas. Je sais, mais je ne parle pas encore. Parce que si seulement j'entends, ça va sortir comme la biarrée. Et ça va sentir. Qui vous a donné cette confiance-là? Hein? Tout le monde maintenant est devenu, c'est-à-dire que vous êtes maintenant devenu quoi? Hein? Les grands sanctificateurs, les anciens pédéjustes viennent, on sanctifie. Les enfants des pédéjustes viennent, vous sanctifiez. Et vous voulez crucifier ceux qui vous ont donné ce qu'ils avaient le plus au monde. Hein, leur liberté. Ils vous ont même donné même leur, 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 leur euh, rythme de vie. Ils ont euh, émis des sacrifices pour vous. En attendant, c'est vous qui étiez... Le matin, vous étiez dans l'opposition. La nuit, vous dormez euh, dans, dans le ventre du pouvoir. On, doit, on va parler de quoi, vous et moi? Tout est financeur. J'ai leur, leur euh, euh, macabo. Évitez de m'énerver. C'était un avertissement au neveu d'André Bourbam. Allez lui dire que j'ai dit que il ne me mentionne plus jamais dans ses conneries. Je connais qui sont tous ses financeurs. C'est Idoukan, Guy Bertrand Mapangou, m'axa Kombesi et tout ça là. Même chez Pascalini, il y prend l'argent. Je connais de quoi il est capable. Tout ça parce que vous n'arrivez pas à dormir depuis que Jean-Christophe Owon a fait ses révélations fracassantes. Non, il faut trouver le bouc émissaire pour pouvoir endosser, euh, pour pouvoir euh, brouiller les révélations fracassantes de Jean-Christophe Owon-Ngema. Je lis des gens qui lancent ces pamphlets, oui, Jean-Christophe Owon-Ngema, il vient parler, ce sont les gens de chez seyulou et tout, tout ça là. C'est aujourd'hui maintenant parce qu'il a dit que euh, euh, l'affaire de 2016 est derrière nous. Que vous savez que Jean-Christophe Obonunguema, il paraît. Va prendre l'argent chez... <coughs> chez l'autre là. Chez Kane, Vous êtes pareil qu'au PDG. Le PDG, c'est le seul parti où dès que tu le refuses, tu dois aller répondre. Il y a le mamba qui sort. Le mamba vient, il te pique. Oh, tu avais détourné. Là, le mamba, maintenant, prend forme. Ses yeux souris sortent de son sommeil languissant. Il se souvient que tu avais détourné quand tu étais en fonction. Et tu étais d'accord. Avec le PDG, leur, 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 leur pratique. Vous êtes pareil que le PDG. On ne peut pas quitter cette galaxie-là sans le moindre bruit. Chacun a quelque chose de reprochable. Vous avez dit, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Tout le monde a son histoire. Dès que tu quittes Ping, dès que tu désavoues leur clic. Allez, ta part doit sortir. Je suis sûr qu'aujourd'hui, maintenant, vous êtes dans les inbox pour commencer à chercher la nudité de Wonengema. J'ai dit ça depuis hier. Vous êtes toxiques, qu'est-ce que vous nous voulez? On vous a donné la victoire, ping à la légitimité. Prenez les, 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 les joggings, courez, allez-y, le mettre au pouvoir. Foutez la paix aux gens. C'est quoi On ne peut pas dormir Il y a quoi Qu'est-ce qu'on doit encore faire maintenant, finalement Les morts, vous avez. Aujourd'hui, vous surfez sur ça. 500 morts. Donc, on ne voit toujours pas les certificats, et les actes des décès. Vous avez déclaré 500 morts aux yeux de la communauté internationale, devant l'opinion publique. Prenez, ce n'est pas un réel motif pour vous pour prendre ce pouvoir-là c'est quel pouvoir qui, qui n'arrive toujours pas Mais il y a autant de bruit. On parle de tout et de rien, sauf de la prise de pouvoir. Revenons aux fondamentaux. Dès que tu parles de chez Ping, on t'accuse de tout. Tu étais mendiant, tu avais trop faim, euh, tout. Les gens ont commencé à voyager. C'est à cause de Ping. On, on goûtait Paris. C'est à cause de Ping. Je suis sûr que si je fréquentais Ping avant, on aurait dit que c'est lui qui m'a envoyé aux États-Unis. Même les gens qui sont venus par l'entremise de Kane aux États-Unis ici, vous ne leur faites pas le procès. Je suis sûr que demain après-demain, quand le membre de la, de la Dream Team là va aussi peut-être quitter la banquise, c'est ce jour-là que vous, vous pensez que oh, oh, vous, puisque vous savez comment est-ce que je dors dans les hôtels avec Moukani, c'est que vous savez qu'un membre de la Dream Team est venu ici par l'entremise de Kane. Mais aujourd'hui, personne ne parle de ça. On ne peut pas parler de l'affaire de la prise de pouvoir. Ils ont fini avec les déclarations mensongères. Moukani a dit non. Hier, Oonongema a dit absolument non. Il ne veut plus être complice. Chacun de nous a sa barre de. Comment vais-je dire à, à, Chacun de nous a une barre limite de tolérance, à son seuil de tolérance. Chacun tolère au niveau qu'il peut. Les autres ont attendu. Moi, je n'ai pas pu patienter. Six mois après, je dit que moi, cette mascarade, je n'y participerai pas. Ils m'ont supplié, je vous le dis. Eh, comment il s'appelle? Eh, 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 Naïsangi, avec Delia Bilouni. Oh, il ne faut pas les dire, c'est au Gabonais. Ce serait des fétistes. Je veux voir aussi les attaques de Delia qu'elle fait contre le sénateur Wonengema, qui est un sympathisant de son parti politique, l'Union nationale. Aujourd'hui, j'aimerais savoir quelle est la réaction de Delia Boulouni par rapport aux déclarations de Jean-Christophe Wonengema. J'aimerais savoir quest ce que Delia pense de ça de ce qui s'est dit hier dans les réseaux sociaux. N'est-ce pas ce, ce que j'avais moi-même déclaré il y a un an, il y a plus de 15 mois, voire bientôt aujourd'hui 17 mois, je l'ai dit. Est-ce que le constat n'est pas le même Maintenant qu'elle met aussi les ayatollahs derrière les fesses de, de Jean-Christophe Owenengema, lui aussi l'a touché combien pour le déclarer hier dans l'émission de Pat Collins. Ce serait défaitiste. Oui, euh, cela a été défaitiste. C'est vous qui nous avez entraînés dans le combat. Je vois même des gens qui se trompent d'objectif. C'est-à-dire les gens qui les ont emmenés dans cette affaire. Les gens, là, leur ont dit qu'il faut qu'on quitte. Vous n'êtes pas quittés. Maintenant, les gens quittent. Vous êtes les premiers à faire les discours. Hein Des condamnations envers ces personnes. Vous êtes des masons. Qu'est-ce que vous voulez On vous a mangé. On vous a vendu. Des les camionnettes posent la question que c'est le femme-là. Hein Si vous êtes venus dans cette lutte-là, à cause de la personne, mais c'est comme les enfants, quand vous partez en balade, chez les parents, en visite, chez un, un membre de ta famille, quand ton père et ta mère te disent qu'ils quittent, est-ce que tu as le choix que de, de rester Tu peux négocier pour dire que okay, je dors pour la nuit, mais tu dois absolument rentrer à la maison. Des enfants qu'on n'a plus pas l'œil, à cause de la piscine, et des le bis, biscottes au froment. Beaucoup la calent là-bas à cause de ça. Ils ne veulent plus aller manger la, 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 la boîte de sardines à l'oseille. Mais manger à l'heure en paix, c'est quoi? Pourquoi il y a autant de bruit autour de cette affaire de prise de pouvoir de Ping? Depuis quand moi aussi j'étais conseiller stratégique auprès du CNR pour empêcher aujourd'hui à Ping de prendre le pouvoir, quelle a été ma fonction? Dites-moi un peu, j'ai été nommé dans quel cabinet? Hier, j'ai appris, par hasard, comme ça, la volée qui paraît que me cam est membre permanent et éminent du cabinet de, de Jean Ping. Moi aussi, j'ai été nommé où? dans le cabinet, j'ai été dans les réunions stratégiques quels partis politiques. J'étais le politique. jour que vous avez choisi, Ping. C'est quoi avec mon nom Matin, midi et soir, tata Huguette a fait ceci, tata yugait est rentré là-bas, tata Yuget est prostituée, il n'y a, a pas de problème. Est-ce que c'est à cause de la prostitution là que aujourd'hui vous êtes dans l'incapacité de prendre le, le, le pouvoir Quelle était la prostitution aussi Autant d'André Bobam qui vous a empêchait de prendre le pouvoir y Il avait, y avait les histoires de sextape tape, autant d'André de, de, Bobam. Pourquoi il n'est jamais devenu président? Tu ne viens pas expliquer que ça fait deux mois que tu as recommencé à toucher ton salaire. Hein? En tant que conseiller du directeur général de l'OPRAC, tu n'expliques pas ça. Toi le digne résistant. Qui a des, 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 comment on appelle ça, des reproches à faire au pasteur Serge Alogo, que moi-même j'ai appelé le pasteur Alogo plusieurs fois tard dans la nuit ici. Ce monsieur-là travaille, il conduit les trocs toute la nuit. Vous dites qu'il touchait 2 000 euros, 20 000 euros, tout ça pour quitter Ping. Vous êtes trop méchant. Quand tu as récupéré ton salaire là, tu es venu dire ça à Moukani, que j'ai commencé à retoucher encore mon salaire avec de, ma nomination de conseiller. Auprès du directeur général de l'Oprague. Donc, c'est Moukani qui devait rester sans salaire. Tu, 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 tu as donné combien à Moukani aussi pour aider sa femme et ses enfants Dites-moi un peu. Tu l'as aidé à, à payer son loyer combien de fois Ou payer le loyer de ses enfants Même dans son regard, on sent un mystificateur. Ne quittez pas derrière moi. Hein? Prononcez-moi. Prononcez-moi encore. On ne va pas vous dire. Revenez encore derrière moi. N'importe quoi. Vous ne prendrez jamais ce pouvoir. Et les propos de Jean-Christophe Owono, Ngema, me confortent plus que tout. C'est pourquoi vous faites un acharnement et une fixation sur moi. Parce que vous vous rendez compte que j'ai une longueur d'avance sur vous. Que ce que j'ai déclaré, c'est un fait. Mais c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'être magicien ou d'être euh, conseiller en, en stratégie politique. Pour savoir que cette, affaire, que cette affaire est similaire à l'affaire d'André Bobam. Ce sont les crises siamoises, les fausses stratèges du pétard mouillé. Allez créer vos partis politiques. Je vois aussi comment vous aussi vous allez militer et avoir les militants, comme vous traitez les autres, que ce sont les partis gazelles. Vous-même créez les partis. Je vois comment la jeunesse gabonaise vient militer là-bas dans vos partis. Au lieu de dire merci, grâce aux cyberactivistes aujourd'hui, on a pu mobiliser autant de personnes en même temps que vous étiez dans l'incapacité de faire, dans les arrondissements et dans les, les coins retirés de la capitale. Les enfants qui avaient accès à nos vidéos appelaient leurs parents pour leur dire de sanctionner dans les urnes. Vous avez bien profité de ça. Vous nous avez manipulés au point où on vous a livré de la chair à canon. Et aujourd'hui, on réclame justice pour ces individus en insignant. Hier, yeah, Messieurs l'a dit non. Que nous avons des amis au PDG. On est au courant. On connaît comment vous allez négocier. Mais Messire, mais justement, ça confond ce que je dis. Si on l'appelle pour lui dire qu'un ministre a négocié. Ouais, plutôt pour lui dire qu'un opposant est en train de négocier avec la majorité. Vous êtes sûr et certains que les mêmes n'ont pas appelé Messire Nandon. Ou leurs informateurs ne les ont pas appelés pour leur dire qu'on allait tirer sur le QG. Hein Dans leurs informateurs les informes se seulement comment est-ce que. Les opposants vont euh, euh, comment, se compromettre dans le pouvoir. Mais leur dire que non, il y aura euh, euh, carnage au QG, on ne, ne leur a pas dit. Vous savez pourquoi vous avez laissé les Gabonais tomber, tomber dans ce guet-apens Parce que pour vous, c'était une possibilité de vous emmener au pouvoir. Pour vous, vous pensez que la communauté internationale allait avoir compassion de vous, que par rapport à, ces, à cet acte-là hein, d'Ali Bongo, ça allait pousser les Occidentaux à chasser Ali et vous vous mettre au pouvoir. Et moi-même, je vais ressortir la conversation de Jean-Ping et du Conseil d'Alassane Draman Ouattara. C'est parce qu'on n'avait pas encore bien analysé les faits qu'on n'avait pas compris l'impact de cette conversation. Vous avez livré les petits Gabonais. Et aujourd'hui, c'est devenu un motif, un fonds de commerce pour vous. Oh, les morts. Les morts qui sont tombés au QG. Mboulbeka est, est, est tombé en 2014. Où est la justice pour Mboulbeka Les morts de 2009, là-bas lui-même, dans son propre fief, à Port-Gentil, qui rend justice pour eux Vous savez pourquoi vous insistez de parler de ces morts-là Parce que vous pensez que vous aurez le pouvoir en marchant sur les cadavres des Gabonais. Vous êtes damnés. Je vous dis ça. Vous êtes damnés. Vous ne je dis que vous ne prendrez jamais ce pouvoir. C'est un pouvoir. C'est-à-dire que vous avez acquis ce pouvoir-là sur le sang, sur les compromissions, sur les mêmes méthodes que le PDG. Vos mains sont aussi impliquées que celles d'Ali. Je dis ça. Même s'il y a des gens, je dis qu'ils veulent se reconforter en disant que ce n'est pas Ping qui a tiré au QG. Ping a fui son QG. Et il a livré des petits Gabonais aux armes d'Ali Bongo. Et c'est ça la vérité. C'est pourquoi est-ce que je suis devenue dérangeante pour vous. Parce que je suis la première à l'avoir dit. Même si aujourd'hui, euh, Jonas Moulinda fait son meilleur coup, on a l'enregistrement. On a enregistré le jour qu'il est venu affirmer. Yes. C'est un journaliste d'investigation, non Il avait affirmé combien de temps après moi J'ai toujours une longueur d'avance sur vous. C'est ce qui vous fait peur. Je vous fais trembler. Yes. Et je ne vous donnerai pas ma source. C'est en vous-même. Les gens du QG, c'est quelqu'un d'entre vous là-bas qui vous a balancé chez moi. Yes, qui a dit que Dana, on comptait sur cette stratégie pour prendre le pouvoir. C'est pourquoi on ne parlait pas. Mais apparemment, on se rend compte que les Occidentaux ne veulent pas. Que Ali parte, je ne sais pas, pour diverses raisons, chacun a sa version des faits. Et on se retrouve aujourd'hui dans ce marasme-là. C'est ça la vérité. Quelqu'un s'est confié pour se soulager du poids de sa conscience et je dis, au est venu dire non. Je vous dis encore, je vous ai toujours dit, des bouches autorisées viendront le dire. Je vous dis que là pour l'instant non, ngema est venu dire. Là c'est Jean-Christophe Wenenguema qui est venu dire que l'élection est derrière ou non. Je vous dis que bientôt, restez attentifs. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas des législatives? Parce qu'ils savent que c'est aux législatives que tout va sortir. Ce sera grave. Ce sera la guerre des intérêts. Yes, la guerre des titans. Concentrez-vous bien, préparez bien vos smartphones et vos ordinateurs. Vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Yes, ce sera la guerre. Chacun va sortir. Vous parlez de quoi Même Oukani qui est parti, il vous tient. Même Munga, il vous tient. Essayez. Allez-y aux législatives, on voit. Vous avez peur. C'est pourquoi vous restez au bord de votre piscine. Vous avez peur de repartir dans ce challenge. Tout votre pouvoir n'est régi que par le sang. Tout votre pouvoir n'est régi que par le sang. On ne parle que de sang. Un pouvoir qui s'est établi par le sang. Un pouvoir qui veut se succéder que par le sang. Il n'y a que le sang des Gabonais. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène récurrent au niveau de Libreville. Des enlèvements par jour. Les gens ne peuvent plus prendre les taxis à Libreville, c'est très grave. On n'a jamais vu ça. Il y avait des enlèvements, mais cette fois 6, non. Les gens sont assoiffés de sang. Ah, lui aussi, c'était barré, hein, n'était pas au QG, firme. Ah. Et il vient parler. Lui, il était seulement quand j'étais dans la chambre avec Moukani. Mais dans le QG là-bas où il devait contrôler. Pour que son candidat prenne le pouvoir. Il n'était pas. Quand il y a eu les tueries. Au QG, il était où? Hein? On dit bien que c'est le. <laughs> On a la doc. On sait qui a prévenu Ping. Yes, il a été prévenu. Rien que même par l'entremise de son fils, Frank Ping. Celle du Sénat avait déjà dit à Franck qu'on va tuer les gens. Parce que c'est la belle-mère de Franck. Le frère de Gouliguende, qui est haut-gradé, feu paix à son âme, haut-gradé dans l'armée, avait prévenu, tout le monde avait eu son coup de fil. Je dis ça, chacun qui avait sa personne a reçu son coup de fil qu'il fallait détaler du QG. Ça allait être grave. Vous avez vendu Zibi, bande de traîtres, comme vous avez vendu Amo. Vous avez livré et zibi, zibi. Vous vouliez qu'on prenne Zibi pour que les gens se bougent pour chercher à le faire sortir, parce que vous savez que c'est un, un capi, c'est un meneur. Vous pensez qu'en en le, en le livrant, les gens qui, les petits qui maîtrisaient, parce que c'est le Baba c'est le Njim, vous pensiez que le Mapane allait prendre feu, parce qu'on a pris en otage le, le, un patron du Mapane. On connaît toutes vos petites stratégies. Vous êtes des, des traîtres. Et c'est comme ça, si aujourd'hui vous voulez me livrer. Foutez-moi la paix! Vous de des traîtres. Ah, vous avez vu, non? Même Boom Pins, il a apparu. Toutes vos petites histoires-là, que vous avez fait manger l'argent des gens, tout ça-là. Moi-même, tu m'as déjà vu venir parler de ça, Boom Pins. J'ai laissé l'affaire de l'argent qui confrontait Jerry Pambo, Marcona et Sangui et tout tout ça. Toi et Marcona et consorts, même Enrique, tu m'as vu venir parler de ça? J'ai laissé. Mais j'ai compris que c'est parce qu'on vous laisse qu'aujourd'hui, vous, vous continuez à, 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 à creuser comme le, la gangrène et le cancer. C'est comme ça que vous faites. Donc, le neveu d'André Boba me laisse tranquille. Je ne suis pas celle qui a été dans l'hôtel. Parce que c'est là-bas ils m'ont donné maintenant la nouvelle fonction. Il paraît j'habite les hôtels. Mais moi je suis SDF, j'ai l'argent pour traîner, traîner dans les hôtels. Je ne suis pas celle qui suis à l'origine de la mort d'André Bobam. Je n'étais même pas membre de l'opposition, je n'ai jamais fait partie de l'entourage de Hamo, qu'ils arrêtent. Quand Mukani Iwongo s'est fait empoisonner et qu'il a été euh, 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 évacué en France, je n'étais pas proche de Mukani Iwongo. Et je bénis Dieu parce qu'ils auraient dit que c'est moi qui ai mis le poison à Moukani. Et j'ai dit ça à Moukani que j'ai fait un mauvais rêve. Je les vois beaucoup ces derniers temps parler de ton affaire d'empoisonnement. Surveille tes arrières. Je ne sais pas si c'est rentré dans la bonne oreille. Je l'ai rêvé en train de vomir. J'ai fait un rêve sur lui. Et je l'ai donné les conseils. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai interpellé le président Moukani en lui disant fais attention à ton entourage. Le poison va rentrer chez toi parce qu'ils veulent mettre en mal ta nomination et ta collaboration avec le régime en place. En insignant que toi-même, tu es parti t'élivrer à Ali et il a fini le travail qu'il a commencé. On les connaît, ils sont toujours en train de parachever ce que leurs jumeaux du PDG font. J'ai prévenu le président Moukani, Ouangou ici. Moi-même, je suis au courant parce qu'il y a des personnes de bonne foi. Qui essaie de me mettre en alerte, et me dit, Dana, fais très attention, il y a des gens qui cherchent à nous contacter pour savoir quelle est la nature de notre relation. C'est à croire qu'il y a un objectif qui est caché derrière ça. Mais je vous dis, hein, ma mère l'a toujours dit, je ne mourrai pas la bouche fermée. Si je meurs, je dis ça, c'est vous. C'est vous qui voulez me voir mourir. Vous voulez que je meure parce que vous savez que j'ai la gâchette facile. Yeah, mon ventre là, il n'y a pas de place, je vomis. Je vous vomis tout. Et je vais vous dépouiller. Yes, c'est le travail que j'ai à faire pendant le septennat d'Ali. Je dois nettoyer les rangs de l'opposition. Yes. J'ai fini de laver les pédégistes. Maintenant qu'ils s'entretuent entre eux. De toutes les façons, le tsunami de, de mamba est là. Maintenant, vous, je vous attaque parce que c'est vous qui avez fait en sorte que ce que nous avons cherché à faire au cours de ces sept dernières années-là, hein, vous êtes allé vendre nos plans là-bas du côté de la majorité. Ce n'est pas par magie que Alice maintenu. Il n'est pas trop fort. Non. Alice savait, c'est-à-dire au moment où on a décidé d'aller à l'élection, il savait qu'on avait fait fausse route. Il a demandé à tous ses avatars de se retirer. Nous on pensait que on avait eu le déçu sur lui dans les réseaux sociaux, c'est faux. Alice savait qu'on s'était déjà trompé. C'est-à-dire on était sur chem le chemin de la victoire, mais on avait emprunté la mauvaise direction et il le savait. Vous vous êtes battus corps et âme et esprit à mettre à mettre Ping en face. Et aujourd'hui, vous êtes en train de mentir que oh, c'est parce que Ping est là que le combat continue. Si ça aurait été Nzuba, si ça aurait été ceci, au lieu de dire que les beaux-frères ont déjà négocié, Ping est allé demander à Erol quand il est parti tout dernièrement en France et rencontré Sosengondé, qu'on lui rembourse son argent du franc électoral. Nous savons que les beaux-frères se sont déjà arrangés. Arrêtés d'emmerder les gens. Ils ont trouvé des compromis ensemble. Et ça va sortir. Je remercie beaucoup monsieur Jean-Christophe de mettre les gabonais sur le droit chemin parce que ce qu'il a déclaré hier, c'est comme un coup de massue. C'est comme un coup de massue, ça leur fait mal et ils sont obligés de revenir à la source parce qu'ils savent que c'est arrivé dans les réseaux sociaux. Vous savez est un monsieur qui mais c'est invénérable. C'est honorable. C'est-à-dire lui-même il a eu le temps, il a eu le temps d'analyser. Il a eu le temps de voir comment est-ce que certaines personnes qui avaient anticipé ont géré les attaques, vos attaques, et il s'est dit bon, c'est le moment. Hier, yeah, il a eu le courage de le dire et il a mis les Gabonais sur le droit chemin. C'est un Monsieur comme eux-mêmes ils dit chez eux. Une femme, Monsieur Jean-Christophe Onengema, une ou femme, vous avez dit la vérité. C'est ça un vrai devoir de conscience. Ping et Ali se sont rencontrés quelque part. Ils ont déjà parlé. L'autre est en train de rembourser. Les maboules de l'histoire, c'est les Gabonais. Vous allez continuer encore à aller traîner dans leur QG. Parce que vous êtes des mazos. Erdogan hey toi tu sors d'où je te cherchais. On m'a dit que tu n'es plus présent sur la toile parce que il paraît que tu passes les examens. Bob Marley, de la Turquie, tu veux quoi? Hum? Si je raconte n'importe quoi, mais prouver le contraire. Mais va prouver le contraire. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça Moi qui raconte n'importe quoi, mes propos ont été soutenus par un acteur, si je peux le dire, actif de la vie politique gabonaise. Maintenant, vous qui racontez la vérité, sortez-nous la stratégie déployée. C'est le débat d'idées, non De toutes les façons, c'est vous qui venez toujours me trouver. Moi, je ne viens même pas vous regarder. Parce que je suis l'influamento. Voilà. Ce que je dis, c'est ce qui vous met au travail. Voilà. Parce que vous savez que j'ai une voix qui porte. Sinon, moi, est-ce que vous me voyez même? Je me tracasse dans vos lives. Je taquine le seul live où vraiment je vais un peu des banquises. C'est le live de Messi. Non, donc moi, je regarde. Et je regarde même les lives de Messi, c'est pour le gazer seulement. Sinon, moi, je ne vous suis pas dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas ce temps-là. <laughs> Gradique que le fils de Massan Bouka, c'est vraiment le fils de Massan C'est vous qui venez, c'est vous qui, qui, qui décortiquez mes propos. Quelqu'un qui dit n'importe quoi. Mais vous prenez encore des choses, vous racontez. Oh, elle était à l'hôtel, Où oh, elle était ceci. Mais pourquoi on ne parle pas de vous? Hum? Laissez mon nom tranquille. Et je ne m'adresse même pas à, à toi, Erdogan. Je parle à tous les leaders qui ont joué un rôle quelconque auprès de Libreville. Voilà. Donc je n'ai rien, rien à cirer avec toi. Je ne te connais même pas. On n'est pas associé politique. Donc, euh, ce que tu penses me laisse à 37 de ma température. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je suis très très, j'ai été très en colère. Ça à dire que je me suis mise à trembler de colère quand on m'a. En fait, j'ai vu que Serge avait partagé le truc. Et je me suis pas rendu compte que en fait, il avait partagé le truc parce que c'est firmé. Olo qui a partagé ça, ça euh, m'a plutôt pauvre de filmer Olo. C'est après que j'ai bien regardé, que je me suis rendu compte que merde, mais le neveu d'amour même, il me veut quoi même Si je savais c'est sur lui, j'allais tomber. En tout cas, merci. Je vois qu'un faux profil dit que Dana, euh, Dana doit reconquérir les vrais profils. Je ne reconquéris aucun vrai profil. À partir de maintenant, on va faire la guerre des faux profils. Je vous dis ça. Tous aujourd'hui, là, remarquez bien que les vrais profils de ping, à part Mekamba, qui on en voit euh, euh, publier sur les réseaux, parce qu'on le prend pour, pour de la merde. Tout ce que Mekamba ce euh, publie, c'est ce qui est relayé par des faux profils. Toutes les personnes là, des personnes respectables que vous connaissez d'un certain niveau, hein? d'un certain standing social, vous les voyez partager les conneries que Mekamba raconte dans ces publications. Non, hein? ils ne sont pas dedans. Bon, en ce qui concerne mon frère, mon frère le plafonnier, lui, bon, vous savez que lui, c'est l'œil des, des yeux tordus du FBI. Lui, je ne l'attaque pas trop parce qu'il m'a pas aussi attaqué. Parce que la vérité, bon à dire, Adjatis ne m'attaque pas. Peut-être si Adjatis m'a attaqué c'est qu'Adjatis attaqué en, en encagoulé. Mais de son vrai compte, moi, je me dis la vérité. Il ne m'attaque pas. C'est même moi souvent qui vais l'attaquer. Je lui dis, ah, oh, pardon. Adjatis, tes yeux tordus là. Il ne me répond même pas. Voilà. Donc, je ne peux même pas attaquer Adjatis. Parce que je suis comme ça. Et je vous ai toujours dit que même Jonas, je sais, vous partez avec Jonas, vous congossez avec Jonas là-bas, il confirme. Mais moi, Dana, il ne viendra pas dans les réseaux m'attaquer. En tout cas, peut-être qu'il attend que moi, je l'attaque pour m'attaquer. Jonas et moi, on se guette. Mais il reste un grand frère pour moi. Moi aussi, je refuse aussi de venir m'asseoir sur les réseaux sociaux pour l'attaquer. Pourquoi Parce qu'on ne tire pas sur l'ambulance. C'est stratégique. Peut-être que demain, il aura besoin de moi. Peut-être que demain aussi, j'aurai encore besoin de lui parce que c'est la politique. Donc, ne confondez pas. Ne pensez pas que vous aurez la carte de fidélité de Jonas. Jonas a une carte VIP en ce qui me concerne. Ne le suivez pas. Même s'ils mange mon nom, faites attention. Si on vient me dire que euh, Jonas, il, vous avez congossé, vous allez voir que je vais venir insulter tout le monde. Je ne vais pas insulter Moulina. Yes, c'est comme ça. Parce que vous n'avez pas la carte VIP chez moi. Vous n'avez pas remarqué Ici à Pyongyang, je ne prononce pas. C'est vrai que de temps en temps, je lui balance un peu les petites pichenettes. Vous pensez qu'il n'entend pas souvent Il s'est dit que bof, c'est ma petite soeur. Mais si vous, je vous prends à l'usure. Vous... Vous allez confirmer, je vous dis ça, parce que je sais ce que j'ai traversé avec Jonas. Comme avait dit patience, dans Gaëla, tu, tu, lui et moi, nous connaissons les clauses de notre contrat. Hein? Il sait ce qui nous engage l'un envers l'autre. Donc vous, vous prenez vos doigts et vous les sucez en entendant que Ping prenne le pouvoir. À partir d'aujourd'hui, je vous mets en garde et je avertis encore à ce noyau qui est en intelligence avec Ange Zigou. Ce n'est pas tous les membres de l'Union nationale, mais il y a certains petits gars de l'UN là. Je les avertis déjà. Parce que ne pensez pas que c'est le président Miboto ou bien c'est Chantal qui va ou bien Paul-Marie viendra vous enlever. Je suis comme l'aigle. Si je vous attrape, ce sera nasty. Hein. Ah! Allez-y, négocier les, 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 les nominations que vous êtes en train de négocier pour avoir le ministère de l'économie. Négociez ça. Négociez vos petites fonctions dans la paix. Vous dégagez. On sait qui me concerne. C'est quoi, c'est ça? C'est devenu quoi? On parle de tout sauf de la prise de pouvoir de Ping. Ping devient président quand? Même les membres de ma famille, ils ne me parlaient plus, non? Que j'étais dans le faux. Je leur ai dit, je leur ai démontré que c'est moi qui vous ai amené dans cette affaire de politique-là. Vous connaissez Ping ou l'opposition où? Vous vous êtes engagé même à cause de mon action. Maintenant, je vais vous montrer que c'est moi qui suis votre éclaireur. Si je vous dis quittez là-bas, vous quittez. Ping, il n'y a rien. Dégageons de là. On en sait qu'Ali est mauvais. C'est un pauvre con. Il fout la merde. Mais ping n'est pas mieux. C'est la, la peste et le choléra. Foutez la paix aux gens. C'est quoi, c'est ça Les frères, Si à moi. Hein La merde. On partage l'argent du Gabon, mais on se bat la journée. Ping n'a jamais appelé au boycott de Total. Pourquoi Pourquoi il n'y a pas un article sur ça Hein Sur les vraies actions appelées à la désobéissance civile. Pourquoi Ping n'a jamais appelé à menacer les intérêts français J'avais dit ça, non Pat Collins pensait que c'était le pipo. je dis à Pat que Fulcan. camp. Qui t'a menti qu'on peut, on peut menacer et les intérêts d'une oligarchie euh, euh, interplanétaire du pétrole. Allez-y demandez à la Libye, vous demandez à l'Irak, vous vous êtes capable de boycotter total? C'est qu'à l'heure là, nous sommes en train de parler comme on est en train de parler de ce qui se passe au Cameroun. On est combien? Vous vous pouvez boycotter total, ok? Allez-y, j'entends le cri de guerre qui sortira du stade, du stade là, je vous mets au défi. Ils sont combien? Les gens, poum. Jusqu'à la fin de la canne totale, personne n'a parlé. Ping a donné le mot d'ordre, même dans la coalition. Même lui-même, ukani Wangou, il n'avait pas parlé, au contraire. Vous ne partagez pas l'article de Mediapart. Hein? Vous voulez embrouiller. Vous êtes venu m'attaquer. Vous pensez que c'est moi la source de Mediapart Qu'est-ce que je sais, moi Je suis là à l'école pour savoir les interactions de, 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 de comment on appelle ça des partages d'argent dans les comptes offshore entre Ali Bongo et Jean Ping, les dividendes qui se partagent, vous aussi c'est trop de pouvoir et trop de crédit que vous m'accordez. Vous, vous voulez étouffer l'affaire de Mediapart. Mediapart a sorti un article hier où Mediapart est en train d'incriminer Jean Ping et Ali Bongo en signant que c'est un petit... Attendez, je vais reprendre ça, allez taper ça. L'article est payant. Les Gabonais, ouvrez les yeux. N'attendez pas que Pierre Péan écrive le deuxième livre. C'est grave. Les voleurs de la République. Hein? Ils veulent parler des conneries. Oh, j'étais dans un hôtel à quatre pattes avec 50 millions. Voilà, c'est pas de ça dont Mediapart a parlé. Mediapart a parlé d'une histoire très grave hier. Yes, avant la déclaration même de Jean-Christophe Obonongema. Allez répondre à Mediapart. Voilà, deux candidats, un magot. C'est un petit monde qui se déchire, mais il est couvert du même or. Ali Bongo et Jean Ping. Voilà. C'est ce que Mediapart a dit. Même les Occidentaux sont en train de nous démontrer que ça, c'est du pareil au, au même. Bonnet blanc, blanc bonnet. Foutez la paix aux Gabonais. C'est cette vérité que vous ne voulez pas que l'on puisse parler aux Gabonais. Vous ne voulez pas que les Gabonais aient accès à ce genre de révélations c'est pas c'est pas la grâce de Mediapart qu'on a su qu'il y avait euh, l'achat de l'hôtel du di di Borgia. là actuellement là en ce moment là Mediapart était une source d'information fiable puisque ça mettait en mal seulement un côté hein c'est grâce à Mediapart qu'on a découvert que c'est Khan hein, était concerné par les Panama Papers n'est-ce pas mais répondez je sais qu'il y a beaucoup de pingouins vous ne répondez plus C'est aussi Tata Huguette qui est partie écrire ça Hein C'est pas grâce à Mediapart qu'on a été mis au courant de la holding de Delta Synergie Hein C'est grâce à Mediapart que nous sommes au courant qu'Ali Bongo et Jean Ping ont perçu ces dernières années des millions de dollars en commissions occultes versées en Chine. Et sur plusieurs marchés étatiques gabonais, les Gabonais investiguez là-dessus. Ping détient l'argent de l'État gabonais sans avoir encore accédé à la fonction de chef de l'État. C'est très grave. Il doit être poursuivi parce qu'il doit un pays qui se respecte. Un pays qui se dit de droit. Un pays qui est en quête de démocratie. La loi dit et la, la démocratie et le. <coughs> la justice voudraient que... Lorsqu'un dictateur tombe ou venait à disparaître, son entourage se retrouve en prison. C'est ça. C'est ça la véritable justice. C'est pour ça que le peuple gabonais doit se mobiliser. C'est ça la vérité des urnes. Voilà. Ping, c'est parce qu'on n'est pas dans un pays de droit. Il n'aurait même pas été candidat parce qu'il devait à l'heure-là, comme DSK, répondre. À cette heure, il devait être acculé de plusieurs procès. Il y a le procès de Wada et le procès de Ping c'est quand le Mamba c'est un faux Mamba, c'est un, un Mamba chinois. C'est tout. Il y a le le, le le procès de Alain Ndjoubi. mais il n'y a pas le procès de de, de, de comment on appelle ça de Jean Ping, c'est un Mamba chinois. Laisse ça, c'est le fait, c'est le fait. Je vous dis quand vous nous prend dans le fait. Ali et Ping sont en train de nous prendre dans le fait. Les deux beaux-frères sont en train de gérer le pays tranquillement. Bon. Je pense que je vais m'arrêter par là. Allez-y, Mediapart. L'article apparemment est payant, mais ça en vaut la peine. Lisez les déclarations de Mediapart c'est très grave. Soi-disant l'homme du peuple. Non, et c'est quelqu'un comme ça, hein, que Messi vient dire que oui, euh, vraiment, c'est grâce à lui. Euh, oui, Ping, euh, les autres n'ont pas de base politique. Parce que la base politique de Ping, est, elle est laquelle Il a quel parti politique Hein Le PGP, c'est son parti Son parti politique est où Qui, qui crée d'abord son parti Aujourd'hui, il est dans l'incapacité de, de créer un parti politique pour que. Vous vous continuez à mentir que vous ne luttez pas pour lui, vous luttez pour pour, pour le peuple, pour la vérité des yeux. La vérité est que vous êtes des pro Ping. Que Ping ouvre le parti et vous partez militer. Foutez la paix aux gens pour dire que vous vous battez pour le peuple gabonais. Quelle est la lutte que vous faites à des kilomètres? Je viens parler de, de, de la prise de pouvoir du général de Gaulle. Ah bon? Donc Ping et de Gaulle ont, la, ont, ont le même carnet d'adresse. J'ai vu même l'autre manipulateur qui vient dire que oui, on néglige l'action des réseaux sociaux, mais c'est grâce à, à, aux réseaux sociaux qu'il y a eu la révolution, le printemps arabe, Jen Tout le monde sait que Guillaume euh, euh, Georges Soro est derrière l'affaire du, du soulèvement populaire des printemps arabes. Nous savons que c'est une guérilla pareille étatique qui est mise en place pour remplacer des régimes par des nouveaux régimes qui vont faire allégeance à l'Occident. Nous savons qu'aujourd'hui même les soulèvements populaires qui sont orchestrés par... Le canal des réseaux sociaux, ce sont des, des soulèvements populaires qui sont manipulés et orientés par des bourreaux qui sont derrière et qui veulent enlever une tyrannie pour remplacer une autre. Ils enlèvent des, des, des soldats pour remplacer d'autres soldats qui vont venir servir leurs intérêts. Parce que le véritable débat est là. C'est l'Occident qui, qui maintient l'Afrique le, le, dans la précarité dans laquelle elle se trouve. Foutez la paix entre l'histoire des hôtels de Tata Huguette et Moukani. Même si ça aurait été vrai qu'on se retrouve dans un hôtel et alors. Je suis un garçon. Vous n'avez rien à raconter aux Gabonais. Venez nous dire pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, intérêt les, les intérêts français ne sont pas mis en mal au niveau du Gabon. Pourquoi est-ce que Ping estime que la France est l'ami du Gabon Venez parler de ça. C'est de ça dont il est question. La France qui oppresse, même ne fût-ce que monétairement, l'Afrique et surtout la région sous-centrale. La, la région centrale. Sous-région centrale. Vous ne parlez pas de ça c'est aussi à cause de Tata Huguette parce qu'il paraît qu'elle se serait retrouvée dans, dans un hôtel avec Moukani. Vous n'avez vraiment plus rien à raconter aux Gabonais. Vous êtes à court d'arguments. C'est le temps. C'est le temps de dire la vérité. Venez faire votre mea culpa. C'est tout ce qu'on attend. Yes. Vous n'aurez jamais ce pouvoir. « Bonne soirée, allez-y leur dire que ce que Tata Huguette a dit depuis 2016, elle le redit encore aujourd'hui. » La voix de la masse silencieuse a dit, « Jean Ping ne sera pas président, malheureusement. » Pas par la volonté manifeste de Tata Huguette, pas parce qu'elle a manqué à ses actions, elle n'a pas répondu aux responsabilités qui étaient les... Euh, les euh, la, la mienne Non. Mais parce que tout simplement, nous nous retrouvons dans un jeu où malheureusement, les victimes sont les fils des prolétaires. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on réclame justice pour les pour les martyrs tombés sous la crise post mais on ne pleure aucun fils et aucune fille, hein, des enfants de ces barons du PDG-là, de ces anciens barons l'a dit leader de l'opposition. Donc, au Gabon, les seuls qu'on tirent. Ce sont les balles de, de, que les officiers gabonais détiennent qui ont les yeux. Quand on tire ça, ça, les yeux pour dire que, OK, j'esquive Chantal Miboto, j'esquive le, le neveu de Miboto, j'esquive les neveux de Ping, j'esquive la femme de Ping, j'esquive Jean-Ping. Bon, je m'en vais tomber, paf, sur ma kaya. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre, non C'est parce que, non Dieu, même a, 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 Dieu, Dieu, Dieu est lent. Votre place à la CPI. Vous demandez la plainte de, de Mukani non Demandez bien la plainte de Mokani là. La CPI pays que vous pleurez là. Demain, vous allez crier à la théorie du complot. Quand certains vont commencer à, à anticiper. Vous n'avez pas vu Bemba. Bemba est parti à, à avant Kabila. Joseph arrive. Si lui aussi, on ne lui tire pas une balle comme il avait tué son père. Vous là, allez là, trouver Bemba là-bas. La honte de l'Afrique. Toi, président de la commission de l'Union africaine. Destabilisation de deux pays d'Afrique. Voilà, aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne est déstabilisée par la chute de, de la Libye. Moi, et pourtant, je ne suis pas pour Ping. J'ai vu un, 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 une, une ONG ou quoi qui accusé Ping d'avoir participé avec euh, Sarkozy à la déstabilisation de Kadhafi. Mais je ne peux jamais affirmer ça. Parce que au moins, j'ai l'honnêteté de reconnaître que Ping, au moins, a été loyal envers Kadhafi par rapport au pot de vin qu'il touchait de Kadhafi. Ping s'est battu pour qu'on ne puisse pas attaquer la Libye. Je suis au moins reconnaissante et juste d'affirmer devant le peuple gabonais que Ping avait averti l'Occident sur la déstabilisation de la Libye. Mais la vérité est que Ping n'avait pas un vrai carnet d'adresse pour convaincre les Occidentaux de ne pas attaquer la Libye. Il n'a jamais prouvé l'efficacité de son carnet d'adresse. Et c'est par rapport à ça que j'ai averti les gens que ce monsieur n'est pas écouté par l'Occident. On ne peut pas se mettre derrière lui. Parce que dans l'exercice de ses fonctions, il n'a pas pu convaincre par son carnet d'adresse, les occidentaux de ne pas déstabiliser l'une des, des plus grandes frontières de l'Afrique subsaharienne, qui est la Libye. Ping n'a aucune adresse. Lorsqu'il devait se rendre à Tripoli, qu'est-ce qui s'est passé La veille avant qu'il ne prenne l'avion pour Tripoli, il reçoit un, un, un coup de fil de celle qui était ici, euh, l'ancienne secrétaire générale américaine qui était candidate. Euh, comment il s'appelle euh celle qui était face à Trump, là, j'oublie aussi son nom. Pardon, donnez-moi son nom là-bas. Elle avait appelé de ne pas se rendre à Tripoli. Et pourtant, il avait fait un lobbying, non Là, arrive voilà, Hillary Clinton. Hillary l'avait appelé de ne pas se rendre à Tripoli. Pourquoi Parce qu'effectivement, son lobbying a été inefficace. Ping ne peut pas réussir un lobbying. Parce que les gens ne comprennent pas qu'en politique, parler là, c'est un art. Parler est un art, l'art de convaincre. C'est le problème de Ping. Ping ne sait pas convaincre. Il est intellectuel, oui. Il est allé à l'école, oui. Il a un beau parcours, oui. Il a occupé des bonnes fonctions, oui. Mais il n'a pas l'art de convaincre. Il n'a pas pu convaincre les Occidentaux de déstabiliser la Libye. Il n'a pas convaincu les gens de ne pas aller déloger Bagbo. Voilà encore un autre cas d'école. Il n'a pas. Il n'a pas. Le, la rhétorique pour pouvoir convaincre ses pairs, il n'a pas empêché la déstabilisation de Bagbo qui a endeuillé la Côte d'Ivoire nous parlons de plus de 10, de combien de millions de morts, ou 7 ou 8 millions de morts, en, à, à, après 10 ans de, 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 comment on appelle ça de crise post-électorale hein il ne peut pas on vous voulait forcer quoi, les autres le connaissent on connaît déjà, on, on, les autres ont dit non c'est non vous voulez forcer quoi? Pour emmener mon nom matin, midi, et soir. Tata, il a fait ceci. Tata, a fait cela. C'était moi aussi qui étais dans les chambres d'hôtel. Hein, avec les, les, les Occidentaux. Pour les empêcher d'écouter. Les doléances de Ping à propos de la déstabilisation de la Libye. Hein. C'est ça aussi que vous allez dire? Que j'étais dans la chambre d'hôtel? Elle est incapable. Il est incapable, il est incapable. Donc, ne nous faites pas le bruit, bande de coalition des bras cassés. Ok Il est incapable, il est incapable, et c'est ça la vérité. Et aujourd'hui, vous savez que si il abdique, vous êtes foutus. Mais même s'il n'abdique pas, l'OTAN fera son action. Voilà, comme il a commencé à le faire. Et je rends un vibrant hommage au sénateur et vénérable Jean-Christophe Orono. Parce qu'il a résumé hier en un mot ce que je me suis égauzié à vous dire en plus de 15 mois. Ping ne sera pas président, allez vous faire foutre. Merde alors, il n'a aucun carnet d'adresse. On ne l'a jamais reconduit à l'Union Africaine. Mourez Son carnet d'adresse c'était Omar Bongo. C'est tout. Et il est mort à Barcelone le 8 juin. Je n'étais malheureusement pas à Barcelone à cette période. Donc arrêtez de m'accuser de tous les maux. Bande d'imbéciles, racailles. Qui va vous donner le pouvoir là Vous êtes malade Vous pensez que c'est les moutons que vous allez venir, les beucabanes <laughs> Comme dit, les oui, c'est comme. Opération, décabri décabrisation ou décabritisation. On va décabriser les Gabonais. Regardez-moi ça. J'ai vu de la racaille. Toujours cette tête guette là. On parle de vous. Faites quoi On ne parle pas de vous. Vous faites quoi on appelle à la désobéissance civile. Vous vous êtes levé. dit qui ne vous retient pas. Vous, 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 vous <laughs> On vous a vu vous déchaîner. Ouh vous n'aurez rien. Vous allez mourir avec la haine dans le cœur. Ça va vous tuer. Si vous ne, faites pas, si vous ne libérez pas cette haine-là, par procuration, ça va vous créer des maladies. Même conduit même aux infarctus et des cancers. Ça va se transformer en autre chose.

je suis experte en politique pour les nuls, mais une, une, une pour les nuls avérés, c'est une, une évidence. Ping n'est pas au palais du bord de mer. Yes, allez mourir. Et ping jusqu'au bout. Mais aller jusqu'au bout au charbonnage. Avec les pieds qui ont déjà les abdos. <laughs> j'ai vu. J'ai vu les pieds. On a montré les, les, les semelles des pieds. Je ne sais pas de qui. Et puis j'ai vu que les pieds là, avaient les abdos. Je dis que voilà. Ça, ce sont les pieds de Messi Nandon. Marchez, marche, marchez, marche. Na, marche oh, pingo commando. Vous ne tournez plus, vous ne mettez plus les kaolins pour tourner sa barrière. Nous est quitté. Il ne veut plus la faire des, des, des kaolins. Mouf. Allez là-bas. Vos pieds ont les abdos. <laughs> J'ai dit ça. Aramba Mais c'est la vérité? Je vais mettre la photo des pieds là tout de suite, là, attendez. Vous allez rire avant de dormir. Mais c'est vrai, ma belle-mère. Les pieds des gens ont les abdos. Petit rigolo comme ça, là. On est là, on vous a créé politiquement, on vous avez donné les plateformes. Vous voulez venir vous dépasser vos concepteurs. Le pied, on les abdos. <laughs> c'est le practice, non? <laughs> vous savez hein, et je vais vous dire la vérité est qu'on a toujours besoin des détracteurs, on a toujours besoin des gens qui, qui parlent mal de nous vous voyez non, parce que c'est grâce à ça que nous on performe, c'est grâce à ça que nous aussi on va on fait un effort pour être meilleur c'est pourquoi ça ne me dérange pas d'un certain point de vue dans un certain angle au vu de la situation, je ne suis pas trop inquiétée. Bon, ça va. Vous commencez, j'arrive, moi je m'en vais. Donc, les autres font les abdos dans les salles. Et nous, la communauté gabonaise a fait les abdos devant l'Union européenne jusqu'à, au lieu qu'on ait les plaquettes de chocolat dans les ventres, non, c'est aux chevilles qu'on est allé avoir les abdos. Bon. Bonne nuit, hein. Et merci de m'avoir écouté ce soir. À très bientôt, je l'espère. Ah oui, je voulais aussi m'excuser pour celle qui devait témoigner dimanche. J'étais trop fatiguée. Et certainement, elle aussi, elle avait quelque chose à faire. Je vous dis que connectez-vous tout à l'heure. Je vais vous mettre les pieds des Vosges résistants. Depuis deux ans, les pieds ont eu les abdos. Bon, allez. Ciao et gros bisous à tous